Son adversaire dans le coin rouge, his opponent in the red corner. He vient to Jocelyn's MMA from Jocelyn's MMA avec un poids de 51 livres with a weight of 141 pounds. Avec qui fait son pro debut, his pro debut, record de 0 et 0, an 0-0 record, Amro Al-Falastini. Alors, Mauricio Cruz du Mexique dans le coin bleu, Amro Al-Falastini de Hamilton en Ontario dans le coin rouge. Combat à 140 livres, 3 rounds de 5 minutes. On y est, c'est parti! C'était une défaite au deuxième round contre Mehdi Saïban à Samouraï. On s'envoie de belles bombes en partant le combat. Les deux semblent vouloir se faire respecter. On entend dans le coin d'Ambro, patient, patient. On aimerait qu'il essaie d'être patient, qu'il utilise son jab. Oh, attention, il y a une gauche ici de Al-Falastini qui a touché, suivi de la droite. Mais Cruz a évité le pire quand même. Incapable de toucher. On voit un bon avantage, j'ai l'impression, au niveau de la portée. En tout cas, visuellement, on a l'impression que Al-Falastini a un avantage. Beaucoup de mouvements au niveau des deux combattants. Pourtant, selon nos fiches, les deux ont la même portée. Les deux ont une portée de 68 pouces. Pied renversé tenté par Al-Falastini. Oh, il y a une droite ici de l'Ontarien. Volume de coups en début de combat pour les deux combattants. Légère avantage au niveau de Amro, qui a touché la cible plus souvent. Encore une fois, avec son jab ici, Cruz qui est incapable de toucher Amro. Le jab de Al-Falastini qui rate. Un autre. On entend bien dans son coin, on demande à Amro d'imposer son jab, de le mettre sur pied, de le mettre en place en fait. Oh, bon crochet qui est touché en contre-attaque de la part de Cruz. On vient ceinturer le corps, on travaille contre la cage. Amené au sol, réussi. Avec 2 minutes 45 à faire au premier round. Voyons voir. Amro qui travaille en position demi-garde. Le crossface et le underhook sont bien positionnés. Il va essayer d'avancer sa position. Un bon coup de coude. Toujours en demi-garde, Al-Falastini. Ça pourrait être dangereux pour le arm triangle, là, comment que de la façon que Cruz a situé son bras. Position montée de côté maintenant pour Amro. Le Kimura, bien joué. Cruz est de retour debout, mais sans encaisser. En encaissant plutôt deux coups là, en se relevant. Bon coup de pied de Cruz ici. Bien fait, le coup de pied à la tête. Précédent, le crochet de la main avant. Très bien exécuté. Jabbing. 90 secondes à faire au premier round. Cruz qui fait rater Al-Falastini. Qui a passé proche ici. Oh, il y a une droite ici dans Al-Falastini. Attention! L'uppercut. Crochet au corps. Coup de genou à la volée maintenant. Une minute à faire. Belle séquence de Amro Al-Falastini. Johan. Ouais, une belle variation de coups de la part de Amro.
J'aime bien ce que je vois. Il travaille très linéaire, jab, jab direct. Oh, la main droite qui tire avec la droite ici. Qui a touché, là, on commence déjà à avoir une petite rougeur au niveau du visage de Mauricio Cruz qui a tenté le coup de poing renversé sans succès, lui. Le pied de Cruz bloqué par Amro. On voit beaucoup plus d'hésitation de la part de Cruz. On sent que les coups qui ont été portés ont fait du dommage. Tentative de coup de pied à la tête d'Alpha Lastini. Superman punch. Ben oui, voilà. Et c'est comme ça que va prendre fin le premier round. Ah, il n'est pas dans son coin, finalement. Pour le deuxième round de ce combat entre Mauricio Cruz dans le coin bleu et Amro Al-Falastini dans le coin rouge. Premier round, Johan, à l'avantage du Canadien. Oui, premier round à l'avantage de Amro, qui a touché la cible à plusieurs reprises de manière plus convaincante. J'ai hâte de voir premier combat pour Amro professionnel, donc première fois sans doute qu'il fait des 5 minutes. On peut voir que Cruz a déjà l'air d'avoir bien récupéré. J'ai hâte de voir le deuxième round. Perte d'équilibre ici en tentant le coup de pied, mais pas de dommage. Immédiatement de retour sur ses pieds. Deuxième round plutôt timide de la part des deux combattants. Les attaques de Cruz partent de loin, hein, Johan? Ouais. J'aimerais voir Cruz essayer de se rapprocher un petit peu. Utiliser un petit peu plus son jab comme il faisait au premier round. Bon coup de pied à la cuisse. Ouais, ça c'était bien terminé là, cette séquence. Oh, deuxième round de coup de pied. Oui, monté à la tête, très bien fait. Pied de la part de Palastini cette fois-ci. À l'extérieur de la cuisse. Belle combinaison de Al-Falastini. Bloqué par contre par Cruz. Oh, les deux se sont bien touchés. Ouais. Gauche de Cruz qui a touché notamment. On sent que Amaro est plus hésitant lui aussi. Là. Ouais, je suis d'accord. On sent qu'il est plus hésitant, peut-être qu'il essaie d'aller chercher de l'énergie. Belle droite qui a touché sur le kick. Cruz qui semble encore frais. J'aime le non-verbal de Cruz qui est encore là. Il bouge, il ne reste pas statique. Bon, pied à la jambe. On peut voir la rougeur, le bleu là, sur la jambe avant de Cruz. Ouais, le genou gauche, effectivement. On approche la mi-chemin du deuxième round, la mi-chemin du combat. Bon, coup de pied, coup de pied au corps ensuite, bien fait de la part de Cruz. À la tête, ensuite au corps. On entend dans le coin de Palastini, on lui dit, il doit être plus actif là. Cruz qui contre-attaque beaucoup avec le crochet de la main arrière. Crochet de la main avant, pardon.
tentative de d'amener au sol. Grosse projection de la part de Alpha Lastini. Bien exécuté le double jambe. Oh, et là, ça pourrait peut-être faire vraiment pencher ce round-là. Là, c'est peut-être le moment à clé. J'aimais le round de Cruz jusqu'à présent, mais... Ouais, Amro qui se ramasse dans la garde. Cruz qui essaie de garder le combat le plus collé sur lui possible. C'est une bonne tentative. Il utilise la cage en bar présent et il se défait de ça. Stop. L'arbitre qui relève finalement Mauricio Cruz. 70 secondes à faire au deuxième round. On est de retour debout à distance. Cruz connaissait des bons moments. Oh, attention, ici, c'est une belle droite. Deux fois de Alpha Lastini. Bon menton, Cruz, quand même. Ouais, bon menton. Cruz qui encaisse de bons coups. Il avait fait un bon début de deuxième round. Cruz qui avait commencé le deuxième round de manière assez convaincante. Peut-être qu'elle a amené au sol, puis cette main droite vient de lui enlever pas mal d'énergie. Ouais, c'est vraiment un round en deux temps, là. En fait, Cruz marquait des points debout en début de round. Là, il s'est amené au sol. Pas beaucoup de dommages de la part d'Alpha Lastini, mais là, après ça, il y a une belle attaque de sa part également debout. Difficile à juger, difficile à juger. Belle main droite encore. Alors, fin du deuxième round sur cette droite de Alpha Lastini. Et dernier round, et Mauricio Cruz qui a l'air de vivre sa meilleure vie, comme on dit, hein, il est souriant, il a l'air heureux d'être là. Cruz qui commence le troisième round avec le gros sourire au visage, on voit qu'il est à sa place. Et on parlait de sa difficulté de trouver un homme de coin qui parlait en espagnol. Ben, il y a Luc Vincent Ouellette, là, on l'a vu, on le voit dans son coin, qui est là également pour l'accompagner. Pas bon coup de genou de la part de Cruz sur la tentée d'amener au sol de Amro. Ça fait mal. Des coups de coude ici. Il est au sol ici. Belle amenée au sol. C'est parti sur les chapeaux de roue. Je vais terminer mon point sur Luc Vincent qui travaille beaucoup avec des boxeurs colombiens, notamment Eder Alvarez et Oscar Rivas. Donc, je pense que lui aussi se débrouille en espagnol. Pendant que Amro Alpha Lastini, qui, oui, a encaissé des coups de genou, mais réussit son objectif, c'est d'être sur le dessus. Avec 4 minutes à faire au troisième round. Un troisième round qui pourrait être très, très critique de la part des deux combattants parce qu'on a vu des belles échanges au niveau du premier, au niveau du deuxième aussi. Le combat qui n'est pas gagné autant pour un bel beau renversement. Donc, on voit qu'il reste l'énergie dans la tank, dans le réservoir à Cruz. Là. Incroyable. Avez-vous vu ce renversement de position? Et là, on est de retour debout. Eh bien... Mauricio Cruz qui vend chèrement sa peau. Honnêtement, je ne sais pas comment les juges voient ce combat-là, mais oui, hésitant un peu debout, oui, de la difficulté à toucher avec régularité, mais a eu des bons flashs quand même. Même chose pour Amro ici avec cette combinaison 1-2.
contre-attaque ici d'Alpha Lastini qui a touché avec sa droite. Un jab ici. Oh, bon coup de pied à la tête, ouais. Bloqué par Cruz, mais ça fait mal quand même. Cruz qui semble beaucoup plus hésitant. Un autre coup de pied à la tête d'Alpha Lastini. Oh, bonne main droite au corps de la part de Cruz. Ouais, bien, bon synchronisme. Un uppercut de Cruz tenté, là. Et c'est le Mexicain qui essaie d'amener son adversaire au sol. Est-ce qu'il sera en mesure d'y arriver? Il a ceinturé le corps. Les deux mains sont prises, mais Amro qui fait la bonne décision, qui fait le bon mouvement, qui vient passer son bras à l'intérieur pour aller chercher une position 50-50. Maintenant, c'est lui qui va chercher le ceinturer le corps, le body lock. Belle projection. Solide, une autre de Amro Alpha Lastini. Inside. 90 secondes à faire au combat. Amro Alpha Lastini qui est en contrôle présentement dans ce troisième round sur le dessus. Finalement, va laisser son adversaire se relever. C'est bien défendu au sol, Cruz, quand même. Est allé à quelques reprises, mais n'a pas subi vraiment de dommages. Hein. Oui, il a été en mesure de se relever pratiquement à chaque amené au sol. Donc, c'est très bien pour lui. C'est motivant pour lui de savoir que peu importe s'il touche le sol, il peut se relever. Maintenant, c'est d'essayer de placer des coups au niveau du combat debout parce qu'on voit qu'il s'est fait toucher énormément depuis le début du combat. Ouais, avec 45 secondes à faire ou à peu près maintenant, là, a besoin d'un coup de circuit, le Mexicain. Coup de pied au niveau de la cuisse de sa part. Attaque ratée ici d'Alpha Lastini. Frontal. Un autre de Cruz. 15 secondes à faire maintenant. Coup de pied circulaire renversé. Et bien pour des débuts pro aussi, Amro Alpha Lastini va avoir des rounds et là, oh, termine son bon crochet. C'est la fin de ce duel. Les deux hommes se démontrent énormément de respect. Mauricio Cruz lève les bras dans les airs. Palastini également. On le sent fatigué à ses débuts professionnels. 15 minutes dans la cage. C'est de l'expérience en banque, Johan, ça. C'est de la très belle expérience. Il a fait un super bon combat. Comme premier combat professionnel, quand tu es capable de travailler avec un autant grand volume de coups, on a travaillé contre la cage. Il y a eu des amenés au sol qui ont été faits. C'est un combat très, très complet. Pour Alpha Lastini. Donc, à moins que je me trompe, il va partir avec une victoire ce soir. Voyons quelques bons moments. Belle combinaison ici de sa part. Et ça, c'était au deuxième round lorsqu'il a, oui, belle combinaison en partant. Mauricio Cruz qui est allé avec trois gros coups de genou avant de finalement se faire projeter de la sorte. C'était toute une séquence quand même, mais là, ça, c'est impressionnant. Ouais. Ouais, fort physiquement, c'est pas ça. Ouais, puis surtout, si je me trompe pas, c'était au troisième round. Donc, il restait de l'énergie encore à Cruz pour ça. On voit les bons coups de pied qui ont été envoyés à la tête. Encore une belle projection au sol. Alpha Lastini nous a démontré une belle technique au niveau de la lutte. Il a fait des belles amenées au sol. Ouais, belle polyvalence également, c'est ça. A tenu son bout debout. On réussit, comme tu dis, de belles amenées au sol. Donc, un combattant canadien à surveiller quand même. Allons voir s'il va aller décrocher sa première victoire professionnelle. James Mancini pour l'annonce officielle du gagnant de ce duel entre Mauricio Cruz et Amro Alpha Lastini. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, quel combat pour commencer la soirée! What a fight to get the night started! Put your hands together! Yeah!
Pour ce combat après trois rondes, for this fight after three rounds, on va à décision des juges. We go to a judge's decision. Décision unanime by unanimous decision. Your winner, votre gagnant, dans le coin. Rouge Amro Abu Mara Balastini. Alors, victoire par décision unanime d'Amro Al-Falastini, le combattant canadien qui mérite sa première victoire, son premier combat professionnel.